Si dans les siècles passés, les navires perdus à la côte étaient considérés comme une aubaine par les populations littorales, l'échouement de la Moco Cadiz devant Port-Salle le 16 mars 1978 a beaucoup modifié le rituel des naufrages. Des jours durant, l'épave a craché ses 223 000 tonnes de pétrole brut sur plus de 400 km de rivage, frappant de plein fouet pêcheurs, goémoniers, ostréiculteurs et créant des dommages écologiques irréversibles. Dix ans plus tard, privé de son venin et invisible au regard du promeneur, le monstre n'impressionne plus. Et pourtant, son squelette gît toujours dans les fonds marins, où la puissance de la mer qui s'exprime dans la houle le broie peu à peu.